Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Magic Shop 2. C'est un jeu avec plusieurs mini-jeux. J'ai découvert ça en le téléchargeant parce que c'est pas un jeu qu'on peut retrouver sur Steam. Enfin après ça je sais pas exactement. J'ai réussi à le craquer. Je m'amuse juste à faire des vidéos dessus. J'ai découvert ça la semaine dernière. Je téléchargeais des jeux comme ça au hasard. Et j'ai trouvé ce jeu là qui est pour moi qui m'a l'air déjà pas mal. Après en soi c'est pas non plus un gros jeu, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Alors comme vous voyez, j'ai débloqué plusieurs scènes en bas. C'est pas des scènes, c'est des pauses que la nana peut prendre. Voilà, par exemple il y a des pauses que je pourrais pas vous montrer, je pense. Ça va, c'est des pauses, ça va. C'est des pauses pas trop olé olé comme on peut le voir dans certaines vidéos que je présente. Là, c'est tous les débloquables. Ça, c'est pour explorer la map. Les mémories, je sais plus exactement ce que c'est. Ça, c'est quand on a essence plus herbe, on peut débloquer en prenant ces genres de potions. On peut genre mettre par exemple deux herbes et une essence, enfin 1000 d'essence pour découvrir des costumes ou des vêtements qu'on peut choisir pour la nana qu'on prend du coup. J'ai actuellement celle-ci, mais genre j'aurais pu prendre par exemple un autre vêtement. Enfin, par exemple c'est celui-ci que je peux lui mettre. Après vous avez vu à droite il y a quand même pas mal de costumes à débloquer. Donc, ça c'est cool. Ça c'est quoi? Ça c'est celle qu'on a débloquée de base. Et il y en a encore plein d'autres derrière à trouver ou à débloquer en faisant le jeu, voire le mini-jeu. Il y a souvent des mini-jeux dedans et ça c'est classe. Et après il y a des mini-jeux qui sont vraiment casse-couilles parce que c'est pas foufou. Il y a des trucs que je sais pas exactement ce que c'est. Ça c'est pour améliorer notre équipement et tout. Damage réduction, c'est pour limiter le nombre de dégâts subis. Ça c'est pour des points de régénération pour notre... Vous allez voir à un moment donné on va devoir se battre contre un gobelin. Et le fait d'avoir ça, je pense, bien amélioré, ça peut être pas mal. Donjon, mouvement speed, c'est pour aller plus vite. Et donjon, recherche, speed, c'est pour que la recherche se fasse plus vite. Je vais pas vous faire chier avec tout ce qu'on a à débloquer. Juste mémorise. Memory c'est quoi du coup? C'est pour changer la meuf, je crois. Je suis tombé sur une vidéo un peu olé olé. Je savais pas trop ce que j'allais tomber dessus, c'est pas grave. Je couperai à ce moment là. On va commencer tout de suite, on va explorer. C'est parti. Alors pour l'instant on a que le Magical Donjon 1. Parce que tous les autres on n'a rien débloqué, enfin j'ai pas réussi à passer le niveau suivant. Donc là par exemple on est une orbe sur un labyrinthe et on doit explorer chaque recoin. Parfois c'est des bon là il y a des coffres, ok. Parfois c'est des mini-jeux. Les mini-jeux des fois ils sont vraiment sympas. Mini-jeux, c'est un genre de... Ah c'est un genre de... Oh mais c'est tout con en fait. Ok bon voilà, c'est relativement simple la plupart du temps, c'est que ça. Après il y a plusieurs mini-jeux, il y a ça, il y a du memory, il y a d'autres choses, vous allez découvrir tout doucement au fur et à mesure. Des fois il n'y a rien, des fois on se déplace, c'est que dalle, super cool. Ah, on récupère un coffre avec 238 d'essence, donc on est bien parti déjà, ça c'est cool. Encore un coffre, ça change pas. Là, on est revenu au point de départ, on va remonter là-haut. Alors, oh non, j'aime pas ça. En fait, on a une ligne et on doit suivre le tracé avec la souris. Alors, bon, commencer par là. Après, il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est que quand c'est horizontal, c'est tellement facile. Par contre, la verticale, c'est beaucoup plus difficile. Je sais pas si c'est une idée. Merde, j'avais pas que en relâchant ça allait me faire perdre. Merde.
J'ai, en fait, j'ai relâché le bouton parce que, en fait, la souris, je vous explique, j'ai un tapis de souris avec un renfort sur le poignet. Et le souci, c'est que comme ça fait une bosse, et ben la souris, elle était juste pile là et j'aurais pas pu, à part garder le bouton sur la souris et puis descendre. Mais sinon, j'aurais pas pu le descendre avec la bosse. Ça aurait fait un truc trop bizarre. Je savais pas que je pouvais relâcher, ne pas relâcher. Donc je saurai pour la prochaine fois. Ok. Ah, stamina en plus, parfait. Bon, des fois on peut, en fait avec la tenue que j'ai par exemple, j'ai 100 ou 200 de stamina en plus. Alors soit j'ai le choix entre deux herbes et 1000 d'essence. Alors deux herbes on a déjà pas mal, on va prendre 1000 d'essence. Si on a 2000, on pourra faire une prochaine recherche en même temps. Stamina, ok, plus 5%. Ensuite, en fait des fois on tombe sur des scènes un peu bizarres. C'est pas des scènes que je peux montrer du coup en vidéo, c'est vraiment dommage. C'est quoi ça? Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Trop dur. Hein? Oh vache, c'est trop rapide. Mais lol. En fait, oh là, là ça va je pense. Ok. Wow, il y en a, ils sont terribles. Hein. Je pensais pas tomber sur des trucs vraiment chiants. Des fois, je réussis tout. C'est chiant, les scènes de merde, là. Et c'est toujours les mêmes scènes, c'est ça qui est vraiment relou. Comment je fais pour... Je peux pas déplacer là. Ah oui, c'est moi qui dois me déplacer, d'accord. Stamina, plus 5%. Ok, on va aller là en même temps. Bon, on s'est un peu perdu de vue, je crois. Voilà, il y a encore trois autres trucs à découvrir ici. Ah oh, bah super, moins 5% de stamina, super. On tombe sur des pièges, on perd. On tombe sur des bons trucs, on gagne. Bon, c'est aléatoire. Hein. On peut pas vraiment choisir ce qu'on veut. Ah oh, non, je vais pas tomber sur ce truc de merde. En fait, le souci, c'est que à ce moment-là... On tombe sur un gobelin, lui il peut faire 4 à 5 damage, donc de dommages. Lui il est à 312 de stamina, trust speed fast, il fait 50% de dommages, et il a 3 trucs qui nous fait des dégâts, donc triple trust, another round et dominating smack. Après c'est en anglais, bon je vais pas vous le lire parce que vous savez bien que je peux pas lire ce genre de trucs. Là c'est tous les trucs qu'on a nous. On a 3 sur 4, donc c'est à dire on peut genre mettre les 4 là d'un coup. Alors on a Restore Stamina, on a All Enhancements, bon voilà vous avez compris. Ça... Alors je peux pas dire que je sais parler l'anglais, mais j'arrive encore à traduire à peu près ce que c'est. Restore Stamina, ça restaure 3% de stamina par seconde, tous les 5 secondes. All Enhancement, c'est pour 5 secondes, ça retourne tous les dommages. Change Forme, c'est pour changer de forme, j'imagine. Et Restore 25% de stamina. Insta Heal, c'est pour Instant Heal ma personne, du coup, donc 15%. On va tous les prendre. Mais normalement, j'arrive jamais à réussir ce jeu. Il est trop difficile. En fait, il faut que je réussisse à chaque fois. Et je comprends pas, des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Et je trouve que ce jeu là il est vachement casse-couille. Dès qu'on arrive ici, je peux quasiment rien faire. Et stamina, ah c'est ça stamina, d'accord. C'est à dire que si je prends... Ah d'accord, c'est en... Oh mais c'est en que deux. Ah ça c'est la stamina qui est en plein milieu. Et comme c'est pas... ça va pas vite, bah c'est pas fou. Là je peux refaire ça, ça me fait gagner un peu en stamina. Et ça c'est tous les trucs qui peut prendre, de toute façon je vais perdre, j'ai plus de vie. Et ça, ça prend 1, et ça, ça prend 2. C'est vraiment la merde. En fait, il faut que j'améliore, je pense, à fond mon personnage, pour que je puisse... Ouais, c'est bien. Je peux pas, genre... pour l'instant, je pense pas que je peux gagner. Il faudrait que j'améliore à fond cette personne-là. En plus, comment ça se fait que... comment ça se fait que j'ai... garde-robe, normalement j'avais pas... Ah non, c'est peut-être... J'en ai peut-être débloqué une entre-temps.
Là on a Rebelle, mais c'est, je peux pas la, je pourrais pas la montrer, elle est toute nue. Ça non plus. Il y a les yeux. Ok, je peux changer de coiffure. Je pense que ça améliore. Non, ça améliore rien du tout pour l'instant. Par contre, si par exemple on prend Péro, qu'est-ce qu'on a en plus? Est-ce que ça nous, est-ce que ça nous le dit? Est-ce que ça nous dit ce qu'on a en plus ou pas? Ah, c'est 500 d'essence pour débloquer une tenue. Donc ça a l'air que je, quand je suis à 2000, on va rien faire pour l'instant. Le souci c'est que en fait on a plusieurs choix. Soit on prend l'essence et on paye 500 d'essence pour débloquer une tenue. Soit on retourne dans la potion. On fait ça. Donc normalement je peux. Voilà. Et des fois ça marche. Voilà, succès. Et des fois ça marche pas. Du coup ça vous fait des points au moins. Max ability point plus 1. Donc ça, ça cette tenue là en permanence ça améliore la, l'habilité point. Ok. Et on peut en mettre un autre. Allez, succès, parfait. Ah, moi j'ai gagné plus 1000 d'essence. Bon, en soi, on n'a rien perdu. On va en refaire un petit coup. Encore succès. Ah, bah voilà, c'est déjà un peu mieux. Stamina, plus 112. Ok, donc déjà, je pense que ça suffira. Stamina, plus... Alors, je sais plus quel stamina il prend pour... Donc là, on a 412 de stamina. En génération 0,1. Donc ça c'est vraiment fou, c'est pas vraiment fou, il va falloir que je change, que je j'améliore mes skills, mes points. Là on a 7 points, on va le faire tout de suite. Là il me reste encore, on a encore assez, on va faire ça tout de suite. Ah bah j'aurais dû faire autre chose. J'ai eu 2 victoires, 1 échec, super. On a cette tenue là, c'est cool. La prochaine fois faudrait qu'on fasse un truc, c'est qu'on on fasse uniquement garde-robe et qu'on paye directement avec de l'essence. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Là on va améliorer, je sais pas si on va améliorer tout. On est à 7 et on faudrait, comme c'est 1 à chaque fois, donjon speed c'est pour aller plus vite. Là je pourrais mettre ouais, plus 20, ici plus 8%. Comment ça 0? Je suis à 7. Ah, je savais pas que... Ah merde. Bah, ça m'avait pas dit que j'étais à skill... max de skill point 7. Ah, genre, je pourrais genre recommencer. Ah, j'aurais dû faire réduction ou régénération pour que ça aille plus vite. C'est pas grave, on va refaire un petit jeu ensemble. Alors, pour l'instant, je suis bloqué. En fait, tant que j'ai pas battu le gobelin, je peux pas passer au niveau suivant. Ça, c'est vraiment relou. Genre je pourrais tomber directement en dernier avec lui. Ah bah directement 5% de mana en moins, super. Super ce jeu. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Allez, encore une scène où je pourrais pas vous montrer, ça va être super. Ok. Encore, stamina moins 5%, mais ils sont trop relous avec leur truc là. Allez, ah stamina heal, 500 points d'essence. 5% de heal. Bon, je vais pas en prendre parce que pour l'instant, on va peut-être améliorer à fond notre régénération de stamina. Enfin, de. Notre régénération de vie. Ça pourrait être bien pour plus tard. Ah, c'est quoi ça? Ça va. Ah, c'est dans le point où je dois aller. D'accord. Wow, ça va, c'est faisable. Je pensais qu'en cliquant n'importe où ça marcherait, mais en fait il fallait vraiment rester dans le rond où il fallait cliquer du coup. Ok. Ok, ça nous fait encore une autre découverte. Alors 4 herbes ou 500 d'essence. On va prendre de l'herbe même si on a 12. On saura pour la prochaine fois qu'on est bien. Stamina plus 5%, on est cool. Ici. Oh non, j'aime pas ça. Alors, 9 et 9, 18. 10. Moi je dirais 27. Bon, normalement, je suis pas très bon en maths, mais là c'était facile. Le 9 et 9, 18 plus 9, ça faisait à peu près dans les coups de 20 et quelques. Donc ça va.
Comme quoi, des fois, il y a un peu de tout. Ah. Ça, j'avais pas vu. Oh, bah, j'ai tout qui sonne. Tout qui sonne, là. J'ai mon réveil qui sonne. J'ai mon réveil du PC qui sonne pour Ogame. C'est pour le rapatriement qui est back. Je pense que je vais faire encore celle-ci. C'est quoi qu'on a à droite? J'ai vu une ombre à droite. Ah d'accord. Oh là là, ils font chier avec leurs photos là, enfin leurs vidéos. Ah, celle-là, faudrait que je la coupe. Pas de marrant. C'est quoi ça? Oh non, c'est trop relou ça, avec la souris. Bon, je vais mettre en position de tryhard. Oh, c'est trop relou ça. Quand t'es avec la souris, c'est bien d'avoir un clic automatique. Et quand t'as pas la souris, c'est relou. Enfin, quand t'as pas le clic automatique, c'est relou. Voilà. Ok. 1000 d'essence, on prend. On va avancer à peu près. On essaie de pas tomber sur la nana qui est en haut. Il va falloir que je la floute. Bon bah d'accord. Plus 5 d'herbe en plus. Magnifique. On va passer par là. Ok, on a rien. On remonte. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut que je prenne un au hasard. D'accord, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ok. Ah, peut-être que je choisisse une. Ah non! Il fallait peut-être que je choisisse par rapport au. Par rapport au. À l'ombre. Là, c'est une forme à compléter, du coup, c'est facile. Voilà. Les compléter, juste c'est simple. Alors comme quoi il y a des trucs qui sont simples et il y a des trucs qui sont un peu chiants. Il y en a ils sont compliqués. 500 d'essence, on reprend, ça change pas. Et ah, il faut cliquer. Bon, ça 1 sur 2, ça tant qu'il n'y en a pas 15 à cliquer comme ça, ça c'est pas non plus trop compliqué. Ok, on a rien. Encore, il y a quand même pas mal de trucs à prendre. Oh non! Bon, on a perdu. Je vous le dis, avec ça, on a perdu. C'est mort. On va recommencer, tant pis. Hein. En fait, il faudrait que la stamina, elle augmente de fou pour que je puisse faire ce truc. Oh, ça craint. Ça craint. Là on a à 2, on pourrait faire un autre truc, genre par exemple, ça coûte 5 donc c'est mort. Ça c'est bouclier donc ça me protégera. On va refaire de la vie. Ça, je pense que c'est Restore Stamina. En fait comme le jeu il est en anglais, c'est vraiment compliqué. Là notre stamina elle augmente vraiment tout doucement donc c'est vraiment compliqué de gérer. Mais je pense que là si je fais Restore par exemple, je pense que je pourrais gagner. Voilà. Là on a un peu plus que comme le gobelin. Là on a un peu moins. Alors il est juste pile. Restore stamina, on va le prendre. Ah merde, je pensais que c'était la santé. Ah oui ça. Oh bah voilà, on est bon là. Ah bah on a gagné. Bon bah je savais pas que j'allais le faire en vidéo, c'est super. Comment ça défaite? Il y avait marqué victory et défaite. Normalement j'ai débloqué le stage 2, j'espère. En vidéo ce serait vraiment cool. Endurance 7. Est-ce qu'on a des points à améliorer là? Un point. On va mettre en régénération. Je pense que ça peut être bien. Ouais, on va faire ça. Ok. Donc on a 2. On a 0,004% de régénération. Ok. La garde-robe, on va regarder ce qu'on peut débloquer. Normalement, on peut débloquer des trucs. Par contre, comment ça marche? Ok, donc faut dépenser 500 comme ça. Dedans. Ah merde, les cheveux, je voulais pas mettre les cheveux, je voulais mettre... Ok. Donc là on a des cheveux en plus, on s'en fout. Moi ce que je veux c'est la garde-robe. En changeant de paire de cheveux, on débloque dans tous les cas stamina. Donc c'est pas perdu dans tous les cas. Moi je voulais trouver la garde-robe, donc costume c'est ça. Et on peut pas... Ah, on peut pas débloquer de costume pour l'instant. Parce que rien n'est bloqué. Les seules choses qui peuvent être débloquées, je pense que ça va être... ça c'est quoi? La tête. Donc ça c'est la tête, ok.
Donc essence, 0 à 500. Les cheveux. Ear, c'est quoi? Les oreilles, les yeux, le skin nu. Hein. Ça coûte 1000, j'avais pas vu. On va dépenser pour 1000 d'essence. Ok, nouvelle tenue, plus 50 de stamina, ok c'est cool. On en a 3000. En fait le souci c'est avec les avec la potion, c'est qu'on il faut vraiment de la chance. Du coup c'est soit on prend 3 descents, donc 1000 de chaque pour gagner 3 potions et rien avoir derrière, parce que il se peut qu'on tombe sur rien du tout, ou débloquer ici directement avec avec des choses en manuel. Glove stocking, en fait il y a pas mal de choses. Boost de quoi? Ah, boots, donc chaussures. Earring, choker, nose, nipple. Nipple, c'est les seins, je crois. Accessoires, il me semble. Ok. Body, modification. Ah, on peut. Ah, mais c'est... j'avais pas vu ça. Donc, ça, par exemple, breast, ça, c'est les seins. Si je paye 1500 d'essence, je peux gagner plus 75 de stamina en plus. Body, wetness. Le body, c'est quoi? C'est pour être plus fort, peut-être. Et muscles. Ok. On va dépenser pour des vêtements, déjà. Pour commencer, pour en avoir un peu... Pour avoir des tenues en plus. Costume, non. C'était quoi? Les cheveux, non. Le skin. On va faire ça. Ok. Un nouveau skin en plus. On va pas repayer. Ah non, confirme. Okay, on va repayer derrière. Ok, j'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose. On a 1000. On va faire un truc. On va... on va aller dans Blow. Potion. On va faire ça. Allez, un peu de chance. Oh, pas de chance, voilà. Donc, dans tous les cas, ça nous a dépensé de l'essence et retiré 2 herbes en moins. Et... En soi, on a rien eu parce qu'on a rien gagné. En soi, on pourrait recommencer. On va recommencer vite fait. Je vous passe. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai pas débloqué le niveau 2. Super. Pourtant, je l'avais tué l'un l'autre. On va recommencer. Je vous passe juste les trucs, je pense. Que ça rapporte en plus. Donc, 1000 herbes, on prend. Descend là. Ok. Allez, 1000 d'essence, parfait, parti. On a 2006. Allez, super. Hein. Super, j'avais pas vu le... J'avais pas vu que j'avais encore débloqué... J'avais pas gardé mon ancienne tenue. Un coffre. Un coffre avec je sais pas combien... quoi dedans. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ok. Stamina au moins, super. Super, le piège. Okay. Un coffre. Ça il fait chaud là d'un coup là. Je pense que mon PC après je l'ai raté parce que en fait, j'ai un ami qui doit checker le BIOS et le mettre à jour surtout. Du coup faudrait que je voie avec lui pour le ramener, ça va être marrant. Je vais le ramener en scooter donc ça va être super. Ah oui, ça c'est le jeu là que j'avais vu. Faut faire des... C'est trop chaud. Donc ça c'est facile. Donc là je suis là. Je peux essayer de remonter. Où c'est quoi ça? Ah. Alors rouge, jaune, rouge. Oh, ah c'est pas ça? Bah, j'ai vu rouge, jaune, rouge, vert. D'accord. Bon moi j'ai perdu, j'espère. En fait ça nous dépense de la stamina au moins. Quand on perd, donc il faut éviter de perdre. De toute façon, on gagne 5% stamina derrière, donc ça c'est ça change rien. Alors 500 d'essence ou stamina heal. On prend stamina heal. Après, je pense que c'est les bases de là, ils changent pas. Ça reste toujours voir un peu plus peut-être. Endurance 7, je pense que c'est l'endurance.
Les scènes bizarres, hein. Faudrait que je voie si je peux pas les enlever, les scènes bizarres. Oh, ce gozo. Je suis jamais tombé sur ça. I am always coming, but I never arrive. What am I? Love, hope, tomorrow, happiness. Oh, bon. Prends que de la chance, hein, parce que je savais pas ce que j'allais faire. Hein. J'ai même pas vraiment compris ce que ça me disait. Encore une cinématique relou. On va revenir là juste pour se déplacer. Ouais, je t'allais là, ouais. On a un truc. Alors, ça c'est le. On peut pas. Ça c'est tout ce qui est vidéo, on peut pas changer. Damage number, c'est quoi ça? Modifier display. Je pense que c'est les trucs. Après, je pourrais mettre le jeu en chinois, mais je vois rien comprendre de plus. J'ai modifié display, mais je sais pas ce que c'est. Alors, deux verts, un jaune. Ok. Donc ça c'est simple. À 1000 d'essence. Là on va aller où? Là du coup. Pour l'instant il n'y a pas de. Il n'y a pas grand chose à voir ou à regarder. C'est pas mal, on va pouvoir acheter masse de garde-robe. 448 d'essence en plus dans un coffre, super. On va plus descendre directement pour ça évite de faire tout le tour. Là on a ici encore qu'on pourra aller voir. Ah oui. Mais on tryhard. Oh ça c'est chaud. On doit quitter hyper vite. Où est-ce qu'on peut aller là? Et on va remonter. On va remonter par là. En tous les cas, on n'a pas débloqué, je crois. Bon, super. Arriver ici pour perdre 5% de stamina. Super. Allez, on perd 5% pour regagner 5%. En tous les cas, c'est pas vraiment comme on a perdu. Ok. Rapide celui-là. Oh bah fini. Allez. Ok ok. À la suite. Bon là on a vraiment bien fait partout. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait partout. Parce que là j'ai l'impression qu'on a. On a tout déverrouillé d'un coup. Ici, ici. Où je trouve. Où je trouve via les passages. Alors je sais pas si en faisant tout on débloque des trucs ou pas. Là non, là on va aller là, on va redescendre là. Pour regarder où est-ce qu'on peut aller d'autre. Ah. Là on est bon. Là il y a un caillou qu'on peut pas passer, là non plus. C'est la première fois que je réussis à passer partout sans trouver la raison. J'ai l'impression d'avoir tout fait là. Dès que oh, ces derniers oh bah voilà on avait tout déverrouillé donc oh non dommage c'était vite oh c'est la merde oh c'est bizarre ça a marqué another round 1 on l'a tué lui du premier coup en deuxième partie et là on doit recommencer donc super ok là restore j'ai l'impression que ça va comme un peu plus vite qu'avant. Là on va mettre petite régénération. Voilà, on a un peu plus. En fait je pense qu'il faudrait faire que ça. Stamina. Mais bon ça coûte cher, ça coûte 3. Ça retourne les dommages pour 5 secondes. Boum. Et bouffe. Allez père là. Ouais voilà, t'as perdu. Victory. On a gagné là, c'est bon. Là, ça fait quoi là? Là on a normalement on a gagné.
Ok. Ah voilà, de tout à l'heure je l'avais pas ça. Parce que directement on avait vraiment perdu la partie. Et c'était fini. On va reprendre heal, 5%. Stamina. Ouais, à la base je voulais juste arrêter parce que j'en avais un peu marre. Et là, là on continue, alors bon, on va continuer hein. Ah bah c'était prévu juste de... Voilà, retrouver ce truc. Ah, c'est trop chaud de faire tout d'un coup. Voilà. Allez, 230 d'essence, on a 7800 d'essence, on est bien. Allez, la suite. Un coffre, magnifique. Allez, 1000 d'essence. 9000. Oh, j'ai... Et on a un truc là-haut, mais je crois que c'est pour le gobelin, ça. Ouais, c'est une autre meuf. On va le faire tout de suite, mais on va attendre un peu. Donc là, dans tous les cas, on peut savoir ce que c'est. Le gobelin, je crois que c'est là où il y a le cœur. Stamina, on va en prendre. Ok, ok. Ah, j'avais pas vu, il y a là-haut aussi. J'avais pas vu qu'il y avait là-haut directement. Ok, on a rien débloqué de base. Alors... Super. Super cette scène entre deux meufs. On se demande ce qu'ils font. Hein. Essence, plus 3 herbes. Allez, on prend ça, on a plus 20. C'est cool. On va remonter. Alors, ah d'accord. Donc ça, on doit reprendre la même forme. Du coup, ça va être ça. Ok. Tout à l'heure, j'avais complètement zappé. Je savais pas vraiment ce que c'était comme ce qu'il fallait que je cherche. Et après coup, en fait, c'était facile. Ok. Donc là il n'y avait rien d'intéressant. Donc ça, on va remettre ça en forme. Ça va, les minigames là, ça va, c'est sympa. Super. Oh. Ok. Vraiment que c'est simple. Hein. Ok, on va prendre plus 500. Après, je me dis 500, c'est rien en fait. 500, c'est quasiment le prix d'un costume. Du coup, bon, je me dis, bon, au moins, je prends quasiment deux costumes là en plus à chaque fois. Là, on a 12 000, on est bien. Je pense qu'on va passer à la suite directe, même si on va la perdre, c'est pas grave. Dans tous les cas, on terminera notre partie dessus. Parce que là je pense que je vais arrêter le PC, là, il commence à chauffer de fou. Il fait tellement chaud là. Là c'est, on passe à la suite directe. Ouais. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu vous montrer la scène. Parce que la scène elle était vraiment... c'était du n'importe quoi la scène. Je suis désolé. Dans tous les cas j'ai perdu le combat. Donc c'est super. Là vous avez vu j'ai débloqué d'autres scènes. On a la 7, ok, on a la 8, on a la 9, ok, donc pour l'instant ça va. La 10, oui, et la 13, on a la 12, la 11 et la 12 qui est pas... apparemment il faut l'obtenir via un fantôme de skin dans le shop. Et ça, il faut battre 4... le boss de niveau 4, je crois que c'est ça. On s'en est bien, on préfère la garde-robe, on va tout dépenser dedans. Soit on dépense comme ça, on verra, je verrai, soit je dépense tout, soit ou bon. Je sais pas si je referai une vidéo dessus, je pense pas qu'au bout d'un moment vous avez vraiment vite fait le tour. Parce qu'à faire toujours des mini-jeux et puis à avancer dans le jeu, je pense qu'en soit une seule game ça suffira largement même.
Du coup, on se laisse pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent parce que j'ai repris le travail. C'est pas que je travaille la journée, c'est que je travaille le soir, la nuit, surtout. Le fait que là, pendant un temps, c'était compliqué, j'avais pas beaucoup dormi. C'était la merde, c'était vraiment pas bien. Et comme je travaille de nuit, c'est pas la même vie quand tu travailles du matin ou de l'après-midi. C'est pas la même qualité de vie, il est trop chaud. Et je pense que, bon, dans tous les cas, il y a cette vidéo-là qui va sortir. Et puis, je pense, peut-être ce week-end, je tâcherai d'en faire une ou deux pour en avoir d'avance. Et je vous dis à bientôt. À plus. Salut.